Jean-Michel Tignivelli s'apprête à tourner une nouvelle série pour TF1, aux côtés d'Odile Huimin, Bruno Debrandt, Kamel Belghazi, Barbara Cabrita et d'autres. Adapté d'un format espagnol à succès. Première info. À partir du 5 juin, TF1 s'apprête à entamer le tournage d'une nouvelle série intitulée Rivière perdue, adaptée d'un format espagnol à succès Monte Perdido. Annoncé au départ avec Olivier Marchal, ce polar produit par Terence Film, Cut, Les Innocents, et GTV, Examen de conscience, sera finalement porté par Jean-Michel Tignivelli, qui reprend son rôle de flic. À ses côtés, on retrouvera Barbara Cabrita, Coup de foudre sur un air de Noël, Odile Huimin, Prométhée, Bruno Debrandt, Caïn, Anne Lissem, Nina, Nicolas Gob, L'Art du crime, et Kamel Belghazi, Demain nous appartient. Rien que ça. Le tournage des 6 épisodes de 52 minutes aura lieu dans les Pyrénées, sous la direction du réalisateur Jean-Christophe Delpia, Face à Face, HPI. De quoi parle Rivière perdue, la nouvelle fiction avec Jean-Michel Tignivelli et Odile Huimin. L'histoire commence par un accident de voiture sur une route sinueuse au cœur des Pyrénées qui provoque la réapparition d'une adolescente disparue depuis 5 ans. Il n'en fallait pas moins pour que le commissaire Baltus, Jean-Michel Tignivelli, et son équipière, la capitaine Alix Stern, Barbara Cabrita, débarquent sur les lieux aux côtés du chef de la gendarmerie, un certain Victor Ferrer, Nicolas Gob. En effet, le retour miraculeux de la jeune fille relance leur enquête sur une autre jeune fille, elle aussi victime d'un enlèvement en même temps que la première. Jean-Michel Tignivelli bientôt de retour dans Simon Coleman sur France 2 avant le tournage de cette mini-série, Jean-Michel Tignivelli, alias Fred Marquand dans Alice Nevers, le juge est une femme que TF1 a décidé d'arrêter en 2022, a mis en boîte dans la région de Marseille deux nouvelles aventures de Simon Coleman, série qu'il incarne sur France 2 depuis la diffusion du premier épisode en juin 2022. Dans la peau d'un super flic parisien reconverti en tonton gâteau auprès de ses trois neveux brutalement devenus orphelins dans le sud de la France, il aura comme partenaire le temps d'un épisode Sandrine Quétier, Aurore Delplace, Laurent Gamelon et Soren Prévost. Ah.